il y a dans le cinéma comme une dimension lyrique, cérébrante, archaïque, toujours déjà à l'œuvre, qu'on peut choisir d'actualiser ou pas, et qui, alors on peut choisir de pas du tout l'actualiser, de rester dans la narration, dans l'intrigue qui se déploie, mais si tu donnes un tout petit peu de temps à l'image, tout d'un coup, l'objet apparaît dans toute sa plénitude et dans toute sa présence. Et c'est le cinéma, la machine cinématographique devient célébration, devient célébrante dans sa fonction originaire archaïque en fait.